plus que jamais, Laetitia Hallyday veut enterrer la hache de guerre avec David et Laura et cesser cette bataille autour de l'héritage de Johnny. Pour cela, elle s'est entourée d'Anne Hommel, une spécialiste des situations de crise qui avait par le passé conseillé un certain DSK. Elle avait prévenu, l'heure est à la paix. Après 2 ans d'une guerre médiatique avec Laura et David quant à l'héritage de Johnny Hallyday, Laetitia avait surpris tout le monde en annonçant sa volonté d'apaiser les choses sur Instagram. Il est temps aujourd'hui d'éclaircir et d'apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré. Je choisis la paix, avait-elle noté. Afin que tout rentre dans l'ordre, celle qui a retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Balance est entourée d'une conseillère de crise. Comme révélé par le magazine Public dans son numéro paru ce vendredi 22 novembre, Anne Hommel, spécialiste des situations de crise, et ancienne conseillère de DSK, est à ses côtés pour mettre fin à cette guerre autour de l'héritage. Celle-ci va donc apporter son analyse et travailler avec les avocats de Laetitia Hallyday afin que la paix soit annoncée le plus rapidement possible. D'après nos confrères, la maman de Jade et Joy aimerait beaucoup qu'un accord soit signé avant le 1er décembre, jour où un hommage sera rendu à Johnny Hallyday à l'Olympia. Pour arriver à ses fins, Laetitia Hallyday et ses avocats font ce qu'ils peuvent. Plusieurs réunions secrètes auxquelles les avocats des deux parties étaient présents se sont déroulées ces dernières semaines, et toujours d'après nos confrères, les signaux sont au vert. Bonne nouvelle alors que des sujets fâcheux comme la dette au fisc et le droit moral de Johnny doivent être discutés.